Ces derniers temps, j'ai vraiment pas eu beaucoup de temps pour vous faire des vidéos. En fait, j'ai pas eu beaucoup de temps pour aller dans la forêt point. Beaucoup d'oiseaux ici. Ça fait qu'aujourd'hui, je me disais, bon, faut vraiment faire quelque chose avant qu'il m'oublie. Fait que j'ai décidé de faire une toute petite sortie. On va s'installer ici pas loin. Il y a une espèce de minuscule tourbière. Puis on va se cantonner à ça parce qu'il faut quand même que je rentre dans quelques heures. Alors on n'a pas beaucoup de temps. Puis là, le défi, ça va être de tirer le maximum des possibilités d'un micro-site. Hein, souvent, en photo, les photographes sont affligés parce que j'appelle le syndrome du pêcheur. Hein? C'est toujours meilleur sur le lac d'à côté. Ça fait que on a tendance à parcourir beaucoup, beaucoup de territoire. Puis des fois, ben, on passe vite à côté de trucs qui sont super intéressants. En macrophotographie, c'est un avantage, ça, quand même, étant donné que les sujets sont super nombreux dans un espace restreint, on peut vraiment décider de se payer une journée sur un tout petit site. Puis, à partir du moment où on transforme notre regard puis on prend le temps de regarder ce qu'il y a sur ce site-là, bien souvent, on est étonné de toutes les images qu'on rapporte à partir de quelques mètres carrés. Pour ce faire, je vais quand même prendre une caméra. Puis là, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, hein, j'ai simplement un boîtier, un objectif. Je n'ai pas de sac de caméra. Je ne peux pas changer d'objectif. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ça. C'est que d'habitude, étant donné que c'est un site où on peut quand même voir beaucoup de choses, là, tu sais, ça peut être des insectes, donc j'ai un objectif macro, mais on peut aussi voir des reptiles, des amphibiens. Hein, j'ai vu de la couleuvre rayée ici, j'ai vu de la grenouille des bois. On peut voir aussi des super beaux oiseaux. Ça fait que j'essaie d'avoir dans un seul boîtier, un seul objectif, quelque chose qui est le plus possible polyvalent, qui va me permettre de photographier une araignée, mais aussi un jaseur d'Amérique qui viendrait se poser sur une branche. Pour ce faire, j'ai l'objectif Tamron Macro 180 mm. Ça offre un rapport de 1 pour 1. Je l'ai monté sur la Sony A77-2. Aujourd'hui, c'est une journée qui est sombre, qui est pluvieuse. Alors d'habitude, là, ça veut dire qu'on va être obligé de monter en ISO, hein, pour avoir quand même une bonne vitesse d'obturation. Dans un monde idéal, je ne travaille pas avec la A77-2 dans des conditions comme ça, parce que je trouve que sa montée en ISO est moins intéressante que les autres boîtiers Sony. Normalement, je serais venu ici avec, dans mon sac, là, j'aurais eu en main la Sony A6000 ou maintenant une Sony A7 avec un objectif macro, le Laowa que j'aime bien, le Laowa 60 mm 2x1. Mais là, le problème, c'est ça, c'est que 60 mm, c'est moins polyvalent, ça va moins m'aider à s'il se présente un oiseau ou quelque chose. Ça fait que j'aime mieux me blinder. Puis y aller avec quelque chose comme ça. Fait qu'on peut avoir, on peut faire facilement de la libellule. Il y a beaucoup d'insectes volants ici. Fait que ça va être vraiment l'outil qu'on va privilégier aujourd'hui. Là, je vais revirer ça de bord pour que vous rentriez sur le site avec moi. Bon, comme je vous dis, c'est une toute petite tourbière. Wow! Avec une belle barrière à l'entrée. Hein. Il y a un arbre qui ne veut pas me laisser passer. Bon. Il commence à pleuvoir un peu plus. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qu'on va être capable de photographier. Mais c'est pas plus grand que ça.
On entend beaucoup d'oiseaux. Ah, les oiseaux dans l'arbre là, c'est des bruants. Moi, je vois pas de libellule. Je viens de voir un tipule s'envoler. C'est comme un tapis de mousse. Il y a un orignal qui semble avoir passé ici. Alors, à la pluie, hein, les animaux souvent vont se mettre à l'abri. J'aurais voulu avoir des libellules ici. Là, j'en vois pas. Tranquille, hein? Je disais qu'il faut savoir tirer profit d'un site, le maximum des possibilités qu'il offre. Là, pour l'instant, tout ce qu'il a l'air de m'offrir, c'est des oiseaux. Puis là, c'est pas vraiment ça que je cherche. Fait que là, c'est le temps de transformer son regard puis commencer à regarder attentivement les feuilles. Sous les feuilles, des insectes souvent vont se mettre à l'abri quand il pleut, sous les feuilles, pour essayer de trouver des sujets. Fait que là, je vais lâcher le cellulaire, puis je vais vous parler à travers la caméra. Oui. Une petite diptère. Oups. Qui est en train de reprendre son activité. Il pleut moins. Ok, rendu là. C'est quand même un insecte intéressant. On voit qu'elle sèche les ailes. Bon, évidemment, je travaille pas au trépied, là. Bon, c'est une photo à F4. 1/125 de seconde. ISO 800. Ici, j'ai trouvé une cicadelle, une des plus belles cicadelles qu'on a au Québec. Attendez que je la repère. Ah, ici. J'aime beaucoup les couleurs de cet insecte-là. Ce qui est bien avec la météo actuelle. Et qu'il n'y a pas de vent. Là, ça bouge, là, mais là, ça, c'est juste mon Parkinson. Fait que je vais faire une photo aussi. Je vais regarder. Je vais essayer de baisser les ISO un peu. On va y aller en ISO 640. Ah ouais, 640, ça marche encore. Là, on est un peu sous X, là, mais ça va y aller. Ce que j'aime bien, c'est que avec un temps comme ça, on a les effets de la pluie, hein, des gouttes un peu partout. La lumière est douce, parce que là, on a un beau panache nuageux au-dessus de la tête, qui nous crache un peu sur la tête. Mais ça fait pas de lumière dure, c'est agréable. Donc là, elle, on l'a avec une belle ligne parallèle. Hein? Moi, j'aime les obliques, comme ça. On pourrait s'essayer... parce que là, la cicadelle est un peu parallèle au capteur. Donc, pour essayer de se déplacer un peu comme ça, pour venir chercher un petit peu de dynamisme, avec la goutte là, qui est là, ça c'est cool. Là. Je vais essayer ça en photo. Souvent, on juge les diptères, hein, on les apprécie pas ben. Et pourtant, ça fait des sujets photos qui sont quand même intéressant. J'aime les lignes ici, hein, ça pointe vers le haut. On va essayer quelque chose. Les chenilles, ça représente toujours un défi. Hein? C'est pas très photogénique.
Certains réussissent à faire de quoi de bien avec ça. J'ai toujours de la difficulté. Comme ça, ici, à la macro, on a un défi quand même. C'est tellement des animaux que les gens sont pas habitués de voir. Faut au moins qu'ils comprennent qu'est-ce qu'ils ont sous leurs yeux, là. Puis là, ben ça ressemble plutôt d'une... Ça ressemble plutôt d'une brindille comme un autre, là, hein? Ça serait pas pire si... Mais là, hein, si elle prenait une position qui donnait plus le... Ça nous permettait plus facilement de comprendre que c'était une chenille, ça serait mieux. En macro, mes sujets favoris chez les insectes et arachnidés, c'est vraiment les araignées. Mais là, ça c'est tout petit. Souvent, les araignées sont tellement petites. Difficile de faire quelque chose d'intéressant avec ça, surtout là dans sa toile. Ça mesure, c'est un grain de poivre, ça là. Là. Puis dans la toile, j'ai jamais été capable de faire vraiment de quoi que j'aimais beaucoup. Donc, je vais continuer à chercher. Et puis, ben, quand les animaux se font rares, ils ne nous offrent pas beaucoup d'action. Il faut pas négliger non plus le végétal. Oh, ça fait piquer par un maringouin. Ces petits champignons-là, orange, avec un environnement vert, ça fait quoi de quand même d'intéressant. Bon, moi j'aime mieux les fleurs, les champignons, j'aime mieux en mode portrait qu'en mode paysage. On va essayer ça. Bon, là, on a une chenille qui ressemble plus d'une chenille. On a pendu la tête en bas. Elle essaie de ressembler d'une petite brindille. Mais là, on sait plus qu'est-ce qu'on est en train de regarder. Là. Et bien voilà, une petite vidéo toute simple. J'ai été sur le site quoi, peut-être une heure. C'était très tranquille, il fait froid, il pleut, il bruine plutôt. Les insectes étaient vraiment cachés à l'abri, fallait vraiment... Ça se battait pas au portillon pour venir... faire coucou à la caméra. Dans ce temps-là, ben, on se rabat sur le végétal. Bon, en tout cas, où il y avait plein d'oiseaux, si peut-être que ça aurait pu donner quelque chose d'intéressant aussi. Mais bon, on a quand même quelques petites images intéressantes. Juste avant de terminer, hein, je vous répète que j'avais Sony à 77.2 avec l'objectif Tamron macro 180 mm. J'ai travaillé presque exclusivement à f4 1/125e de seconde, ISO 640. Alors voilà, là je vais essayer dans les prochains jours, les prochaines semaines, de relancer ma production de vidéos YouTube. Alors restez à l'affût. Si vous n'êtes pas abonné, ben faites-le don. Merci. À la prochaine.